à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la partie 2 pour le batch cooking. Donc ça y est, on est au jour J pour préparer les repas. Donc le batch cooking, comme je vous l'ai dit, c'est cuisiner en 2 heures pour toute la semaine. Donc batch cooking, apparemment cooking c'est cuisiner, batch c'est en lot, donc c'est cuisiner en lot, c'est-à-dire pour plusieurs repas. Voilà, il faudra cuisiner en lot. Alors, petit conseil quand vous préparez, quand vous allez commencer pour la première fois ou autre, parce qu'il y a toujours une première fois, eh ben, c'est de tout sortir tous vos aliments, tous vos accessoires de cuisine. Vous allez dans la foire d'une passoire, tout ça. Étant donné qu'on va cuisiner pour pas mal de repas, ça vous évite en fait de perdre du temps à chercher, à essayer de retrouver une cuillère en bois, etc. Enfin, vous ressortez vraiment tout ce que vous avez besoin. Et ce qui est bien, si vous achetez des livres spécial batch cooking, on vous met toujours la petite liste d'accessoires dont vous avez besoin. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, les ingrédients, pareil, sortez vraiment tout comme ça, vous avez tout en main. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans votre garde-manger, d'aller chercher dans votre réfrigérateur. Tout est sorti et vous aurez un gain de temps et ça vous permet d'aller plus facilement et de faire plus rapidement vos 2 heures dans votre cuisine au lieu d'aller jusqu'à 2h30, 3h. C'est souvent ce genre de perte de temps à chercher un produit, etc. qui fait qu'on a plus du mal à continuer et à être rapide en fait et à être efficace. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner. Ensuite, quand on commence un batch cooking, pareil, achetez un livre, vous n'êtes pas obligé d'acheter des tonnes ou des livres très chers. Je vais essayer de vous faire une petite liste de livres qu'on peut trouver sur Amazon et sur le batch cooking. Vous en avez pas mal, vous avez des vegans, vous avez des light pour des repas light, vous avez vraiment pour les robots, Thermomix, Monsieur Cuisine, etc. Vous avez vraiment ce que vous voulez et c'est ça qui est intéressant. Vous avez des grands livres, des petits livres. Et vous pouvez en retrouver aussi, je crois, sur Pinterest. Si je trouve aussi, je vous ferai 2-3 petits liens. Sinon, je pense que tapez batch cooking sur Pinterest, vous allez rapidement trouver des menus très rapides. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, le livre va être un support pour vous. Ça va vous permettre de vous habituer au batch cooking, de voir comment s'organiser. Parce que bien sûr, on n'a pas forcément la façon de faire. Étant donné qu'il y a une technique, le fait de choisir certains menus, certains repas pour votre menu, pour ensuite les assembler tous ensemble, etc. C'est vraiment assez spécial, mais au fur et à mesure que vous le faites, vous allez comprendre le système, ça va rentrer tout seul, et vous allez pouvoir vous-même préparer vos propres menus de la semaine. Aujourd'hui, c'est un batch cooking spécial. J'ai reçu pas mal de messages de filles qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai pas le Thermomix, comment je vais faire ?» Donc, vous inquiétez pas, prochainement, j'en ferai sans Thermomix. Ou il va m'aider à mixer ou autre, mais ça sera sans Thermomix. Mais sachez que j'ai 2 vidéos où j'ai fait un batch cooking à ma façon, j'ai fait mes techniques, etc. Et il y a des plats faits sans Thermomix. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le Thermomix, même si je crois dans les 2 j'ai utilisé le Thermomix, mais c'est pour des choses que vous pouvez faire soit à la poêle, soit dans un fait tout, etc. C'est pas quelque chose de... C'est par exemple une cuisson vapeur, etc. Si vous avez la machine à vapeur, vous l'utilisez, etc. Je pense que ce genre de machine peut vous aider énormément à ce moment-là. Donc moi, j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, le batch cooking avec le Thermomix. Quand j'ai vu qu'il était sorti récemment, comme je vous ai dit, j'ai toujours voulu le tester. Je me suis dit, qu'est-ce que ça doit donner le batch cooking qu'en utilisant que le Thermomix, que cette machine. Alors sachez que vous pouvez l'acheter, bien sûr, utiliser avec une autre machine. Maintenant, vous avez Monsieur Cuisine, vous avez quoi comme machine, le Fagor, vous avez celui de Subaru, je ne sais plus lequel. Vous avez aussi celui qui coûte au même prix que celui-ci. J'ai oublié c'est lequel, le Magimix, je crois. Enfin, vous pouvez très bien utiliser cela parce qu'ils ont tous les mêmes options. Donc celui-ci, il y a marqué TM5 et TM6. Et vous avez plusieurs menus, c'est listé par saison et vous en avez 4. La dernière fois j'en ai dit 5, mais je crois qu'il y a toujours 4 semaines, pas plus. Oui, il y a 4 semaines dans le mois et donc il vous propose 4 semaines tout simplement. Alors moi c'est vraiment pour tester, voir ce que je peux faire et peut-être je vous proposerai bien sûr une fois un menu batch cooking fait de ma façon.
Et qu'au thermomix, c'est vraiment pour m'habituer et voir les fonctions, comment ils s'organisent, comment la personne nous propose de préparer le batch cooking avec le thermomix. Donc moi, ma liste, je vous dis tout de suite, le menu de la semaine que j'ai choisi, c'est le menu numéro 3. Donc moi, je ne liste pas, je ne suis pas à la lettre parce qu'il y a des semaines, je ne vais pas forcément faire. Et puis, il y a des repas forcément qui ne donnent pas envie. Vous savez, quand on est une famille nombreuse, et puis on a aussi notre façon de cuisiner, etc. Et c'est des repas souvent qui ne nous ressemblent pas, faut dire la vérité. Dans les livres, c'est souvent assez spécial. Donc moi, j'essaie toujours de m'arranger, que ça aille plus dans mon style de repas. Parce que bien sûr, nos enfants sont habitués à nos plats et à nos styles. Donc c'est tout à fait normal. Donc moi, j'ai pris le menu été, semaine 3, étant donné qu'on arrive en été, c'était pour vous proposer. Donc le lundi, c'est œuf, mayo, coriandre, piment, taboulé d'été. Ça, c'est pas mal. Les enfants, je me suis dit, ils adorent ça. C'est assez simple. Mardi, gazpacho. Ça, j'ai jamais fait. Avec wrap de poulet mariné au houmous. Et ça, je pense que les enfants vont adorer. Mercredi, galette de poisson. Je pense que ça aussi, ils vont aimer. Avec du boulgour. Pareil, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et mayo, coriandre, piment. Donc, c'est pas mal. Ça reste un repas sain. Jeudi, vous avez salade de boulgour au poulet. Donc pareil, c'est quelque chose que mes enfants aiment bien. Tomate, avocat et sauce yaourt ou mousse. Alors ça doit être trop trop bon. Et vendredi, c'est le plat que j'ai apprécié. Je me suis dit, franchement, c'est un des meilleurs, je trouve. C'est les courgettes farcies au veau et aux herbes. Alors moi, je vais faire des courgettes à la kefta. Donc voilà, je vais comme d'habitude faire à ma façon. Vous pouvez pareil orienter les repas de votre manière, mais tout en restant dans la même technique, comme ça vous n'êtes pas perdu. Alors sachez, dans le batch cooking, on cuit en avance les œufs. C'est souvent comme ça pour les 3 jours suivants. Donc ça va vous permettre de faire plusieurs salades à la suite et ça c'est juste top. Donc les sauces, ça se conserve assez facilement. Boulgour, je pense que c'est quelque chose qui se conserve assez facilement au réfrigérateur. Donc tout cela, tout ce batch cooking, c'est quelque chose qui va rester réservé aux frais, si je ne me trompe pas, ça va pas être au congélateur. Parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi j'aime pas les plats cuisinés en avance et congelés, etc. Alors vous avez le batch cooking et le meal prep. Il y a aussi le meal prep qui est plus centré sur les préparatifs de vos légumes en avance. C'est-à-dire vous allez couper, hacher, laver, préparer en avance pour pouvoir cuisiner certaines choses. Vous allez même assembler le tout ensemble pour un même repas, etc. Ça va vous permettre d'avoir un gain de temps plus facile. Ça, je vous en ferai une fois aussi. Et voilà, je trouve que c'est des techniques très sympas qui viennent de sortir ou qui doivent sortir depuis longtemps déjà en Amérique, qui va permettre aux mamans de s'organiser plus facilement ou qui doit préparer 2 repas dans la journée. C'est assez compliqué, on a toujours du mal à savoir ce qu'on va faire à manger. Et bien là, c'est préparé en avance et on ne se pose plus de questions. Le menu est écrit, les enfants savent ce qu'on va manger, etc. Donc je trouve ça super sympa de préparer tout ça en avance en tant que maman. Et surtout, quand on rentre à nouveau dans une vie professionnelle, qu'on doit retourner au travail, etc. Franchement, c'est quelque chose qui peut aider pas mal de mamans. Donc moi, c'est une chose que je peux conseiller, mais c'est pareil. Pour maman au foyer ou maman qui travaille à mi-temps ou à temps plein, c'est une chose que je conseille à 100%. Donc maintenant, ce qu'on va faire, j'ai fait ma liste de cours, j'ai fait mes courses, et là, on vous demande de préparer le dimanche les ustensiles, donc la spatule, le panier cuisson, un plat creux, ensemble, varoma, 2 saladiers, film alimentaire, 12 contenants hermétiques et de différentes tailles. Donc tout ça, vous allez sortir tout ça, réserver dans un coin. Donc moi, je vais le poser dans le plan de travail là-bas. Les spatules, le panier de cuisson, tout ça, je le sors et je le mets ici. Et la première étape, ça sera de préparer la marinade et la mayonnaise, faire gonfler la semoule. Donc la semoule, pareil, ça va être pour le taboulé. Donc c'est du couscous parce qu'ils écrivent souvent dans ce livre ça, semoule. Du coup, j'étais en train de réfléchir, je me disais qu'est-ce que c'est que cette semoule et j'ai regardé partout. Et à chaque fois, j'ai vu que c'était finalement du couscous. Donc je vais sortir tous mes ingrédients. Donc les ingrédients, avant de les ressortir, vous retournez bien sûr sur la liste de courses qui est juste ici. Juste là. Et puis vous ressortez tout ce dont vous avez besoin pour préparer votre batch cooking. Bref, go parce que je vais traîner. Et en fait, déjà là, je perds déjà du temps. Donc on va faire
Donc, on va chronométrer. Il est 10h15. On verra si j'ai terminé à 12h15, tout simplement. Sur ce, go, je vais sortir tout ce dont j'ai besoin. Et puis, vous allez me suivre pendant ces étapes. Voilà, j'ai préparé mes contenants, donc j'en ai pas encore assez. Faudrait peut-être d'ailleurs que je pense à en acheter des contenants en verre pour être pour mieux conserver Pour les mes produits produits frais, j'ai tout préparé en avance. Donc, pour tout ce qui est citron, citron vert, citron jaune et pêche, je les ai mis là. Tout ce qui est légumes, je les ai mis dans ce gros bol. Donc, c'est plein de couleurs. J'adore. Il n'y a que moi pour faire tomber. Non, mais à chaque fois que je fais une vidéo, je fais tout tomber. Regardez-moi ces couleurs, comme elles sont juste magnifiques. Franchement, j'aime trop voir de belles couleurs différentes quand je prépare des repas et surtout en été, quoi. Vous avez le choix. Tout ce qui est oignon, ail, dont j'ai besoin, je les ai mis dans celui-ci. La menthe et la coriandre, je pense que la menthe, ça va être pour le taboulé, sont ici. Hop, on range bien. Tout ce qui est épicerie, vous allez retrouver tout ici. Donc j'ai mes œufs, donc j'ai besoin de pas mal d'œufs. Le pain de mie, je pense que ça va être pour la viande hachée, le poisson, comment ça s'appelle? Les pois chiches déjà cuits, j'en trouvais pas, j'ai dû aller en épicerie et tout pour aller en chercher. Ça va être pour faire le. Donc, dans ce livre, il y a quatre étapes. Donc, la première étape, ce sera de préparer la marinade et la mayonnaise et faire gonfler la semoule. À l'instant, j'étais en train de préparer la marinade pour mes escalopes de poulet. Donc, dedans, on va mettre le gingembre coupé en morceaux, le jus et le zeste d'un citron jaune et le jus d'un citron vert. On rajoute 50 g d'huile d'olive et une cuillère à café de curry et on mixe 10 secondes vitesse 5. Ensuite, je dispose mes escalopes de poulet dans un plat et je badigeonne le tout. J'ai rajouté des épices indiennes dans ma marinade et un peu de sel. Donc voilà, j'ai vu qu'ils n'ont pas proposé de sel ni de poivre. J'ai rajouté tout cela. Ensuite, on va faire gonfler la semoule. Il me faut en tout 400 grammes de semoule. J'ai pris de la semoule moyenne pour mon taboulé. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à lui verser environ 250 grammes d'eau tiède, un jus de citron jaune et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on laisse reposer quelques instants. Deuxième chose à faire pour l'étape 1, ça sera de préparer une mayonnaise. Donc j'ai mis un bouquet de coriandre que j'ai placé dans le bol. Normalement, il faut rajouter le piment, mais moi je ne supporte pas le piment. J'ai mixé 3 secondes vitesse 6. Ensuite, j'ai raclé le tout avec la spatule et puis j'ai rajouté dans un récipient 250 g d'huile de tournesol. Ensuite, pour finir la mayonnaise dans le bol, je vais mettre la coriandre, je vais mettre un œuf, 1 cuillère à café de jus de citron jaune et la moutarde. Je vais saler et poivrer et laisser pendant 1 minute 30, vitesse 4, mixer le tout. Et au fur et à mesure que ça mixe, on va dire ça émulsionne, je rajoute l'huile de tournesol sur le couvercle. Et on laisse couler au fur et à mesure. On est sur l'étape 2, ça va être de cuire les œufs et la semoule, découper une partie des légumes et préparer le houmous. Donc là, je vais mettre 400 g d'eau dans mon bol et je vais mettre 6 œufs dans mon panier. Ensuite, je vais égrainer ma semoule maintenant qu'elle a bien gonflé. Donc je la travaille comme je la travaille habituellement. Et ensuite, je vais laisser cuire au Varoma pendant 14 minutes, vitesse 1.
Pendant la cuisson de la semoule et des œufs, je vais préparer les fruits et les légumes pour mon taboulé. Donc, il y aura juste à couper en morceaux et en dés. Donc, on va couper en dés les pêches et on va leur rajouter un demi jus de citron. Et je vais couper en rondelles mes concombres. Mais je vous avouerai que j'aurais mieux fait de les couper en dés. Ça, c'est plus pratique en fait pour manger. Et voilà, donc je les ai laissés jusqu'au bout en rondelles dans mon taboulé. Donc vous l'aurez compris, pour le taboulé, il faut du concombre, de la pêche et aussi de l'oignon nouveau ou l'oignon frais, vous savez, avec la tige verte et 200 grammes de tomates. Ensuite, on mélange tous les ingrédients ensemble, puis on réserve le tout en attendant que la semoule cuite refroidisse et ensuite on mélangera le tout ensemble par la suite. Là, je vais préparer le houmous. Je vais mettre les pois chiches égouttés dans le bol. Normalement, il me faut du tahin. J'en ai pas trouvé. Je sais pas où en acheter exactement. J'ai rajouté 60 g de jus de citron et 25 g d'huile d'olive. Je mixe le tout 45 secondes vitesse 7 et ensuite je réserve dans une boîte hermétique. On est à ce stade-là, à l'étape 3, on va préparer le gazpacho, le taboulé et les courgettes farcies et cuire le poulet. Donc, je vais verser 1 litre 200 d'eau dans le bol. Dans le panier cuisson, je vais mettre le boulgour et dans le varoma, je vais répartir mes poulets marinés. Et voilà, pendant la cuisson de mon poulet, je vais préparer les ingrédients pour le gazpacho et je vais tout simplement les couper, les épépiner, etc. Je vais couper aussi le reste des tomates pour les réserver. Je vais mettre un filet d'huile d'olive et les conserver au frais. J'ai remarqué que la semoule avait refroidi, du coup j'ai mélangé le reste des ingrédients pour le taboulé. Je vais rajouter deux cuillères à café de soupe plutôt, d'huile d'olive et je vais rajouter du sel et du poivre et je vais mélanger le tout. Ensuite, je vais couper les courgettes, donc je vais les couper au niveau de la tête pour faire l'échappement. Je vais creuser la chair avec une cuillère et je vais conserver la farce, environ 75 grammes. Une fois que la cuisson des poulets est terminée, je vais les placer dans une boîte hermétique et je vais les conserver au réfrigérateur. J'aurais dû préparer le gazpacho, mais je me suis avancée et je suis arrivée à l'étape 4 pour lancer d'autres préparatifs, façonner les galettes de poisson et farcir les gourgettes.
J'ai pris les carottes que j'avais réservées avec une demi-boîte de bottes de coriandre effeuilletées et le zeste d'un demi-citron jaune finement râpé dans le bol. Puis j'ai mixé pendant 3 secondes vitesse 6 et j'ai réservé tout ça dans une boîte hermétique et j'ai laissé au réfrigérateur pareil. Je vais préparer mes galettes de poisson. Donc dans le bol, j'ai placé 50 g d'oignons que j'ai mixé pendant 5 secondes vitesse 5 avec de la menthe. Ensuite, je vais couper le reste d'un oignon rouge encore en 4. Je vais rajouter les noisettes, le demi-bouquet de coriandre et je vais hacher pendant 5 secondes vitesse 5 aussi. Ensuite, on racle le bol et je vais rajouter la mie de pain, le filet de poisson, je vais saler le tout, poivrer, je vais rajouter un œuf. Donc moi, je rajoute de l'ail, du paprika en poudre et du sel et du poivre. Et ensuite, je mixe le tout vitesse 5 pendant 5 secondes. Ensuite, je façonne des petites boulettes avec le poisson et je les aplatis pour faire cette petite forme de galette. Et je vais les mettre dans une boîte hermétique, soit je le filme d'un film alimentaire et je vais les mettre au congélateur jusqu'au jour où je vais les cuire tout simplement. Ensuite, je vais préparer le gazpacho. Donc, dans le bol, je vais mettre tous les légumes, les tomates coupées en quatre, les concombres, le poivron en tronçon, l'huile d'olive, la gousse d'ail. Normalement, il faut mettre du vinaigre balsamique. J'ai mis du vinaigre normal et j'ai mixé le tout 1 minute vitesse 10. Et maintenant, on va préparer la farce pour les courgettes. Donc normalement, il faut couper des morceaux de veau, l'ajouter dans le bol, mixer le tout. Mais moi, j'ai pris de la viande hachée que je vais mélanger avec la chair de courgette. Pareil, je vais saler, poivrer, rajouter quelques épices et je vais mélanger le tout à la main. On va farcir les courgettes. Donc dans cette recette, il faudra les farcir avec du boulgour. On rajoute une cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe de boulgour et on rajoute la farce de viande hachée à l'intérieur. Donc à cette étape, c'est fini. On va les mettre au congélateur, mais une fois qu'on les ressort, on pourra, si vous le souhaitez, rajouter du fromage râpé juste au-dessus. Ça y est, j'enlève mon tablier. J'ai enfin terminé tout le repas de la semaine que vous voyez juste ici. Donc j'aurai deux, trois petites choses à mettre au congélateur. Tout le reste sera à ranger dans mon réfrigérateur et je serai tranquille pendant 5 jours. Alors, j'ai pris un peu plus de 3 heures pour préparer tout ça. Je vous avoue que j'ai fait des petites pauses. Je suis partie m'occuper de mes enfants. Je suis revenue, etc. J'ai eu des moments où j'ai dû m'arrêter quelques instants. Ensuite, ce qui me perd le plus de temps, c'est toujours vérifier à deux fois le menu, à partir de quoi je dois commencer, etc. Je relis plusieurs fois pour éviter de louper quelque chose.
Il m'est arrivé de louper une étape, de revenir vers une autre étape. Ce qui nous fait perdre du temps avec le Thermomix, c'est de devoir le laver à chaque fois. Entre 2, 3, 4 étapes, j'ai dû le laver au moins 4 fois, le temps de changer, etc. Pour ce qui est du repas, le goût, tout ça, ça a l'air très léger, très frais. C'est vraiment un menu de saison, d'été, quand vous n'avez pas trop d'appétit, quand il fait très frais, quand il fait très chaud et que vous avez envie de manger très frais parce qu'il y a de la menthe, de la coriandre, beaucoup de salade, de boulgour, de taboulé et du poisson. Et le fait d'avoir aussi de la viande avec du gingembre, etc. C'est vraiment des produits frais, on va dire. Vous voyez, un peu qui nous donne un peu ce côté peps d'été. Voilà, donc c'est sûr que pour nous qui avons l'habitude avec nos 4 enfants de faire lasagne, pâtes, salade, les trucs basiques et tout, c'est bien différent de ce qu'on fait habituellement. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir proposer d'autres choses, de faire découvrir d'autres produits à nos enfants, etc. Et en plus, c'est sain, c'est vraiment des produits sains. Il y a pratiquement que des légumes. J'ai fait un gazpacho, c'est la première fois de ma vie que j'en ai fait un. Donc, je vous avoue que c'est assez spécial. Faut vraiment aimer, mais ça peut, c'est bourré de vitamines en fait, et c'est ça qui est bien. On met tous nos légumes à l'intérieur, il y a tous les vitamines qui restent et tout, et c'est ça qui peut être intéressant, surtout pour nos enfants et surtout en été. Ça, c'est ce qui m'a l'air le plus appétissant, c'est les courgettes farcies. Après, c'est assez spécial, pareil, j'ai jamais mis de boulgour à l'intérieur, j'ai jamais mis de raisin, en fait, de merde, des raisins jaunes, j'ai pas pensé à acheter des raisins, du coup j'ai mis des raisins secs. Je me suis dit pour un peu, voilà quoi, pour remplacer. On verra si ça changera ou pas. Je rajoute quelques épices en plus. Quand je vois qu'ils mettent pas trop d'épices, je me dis ça doit rester fade, donc du coup je rajoute. Ce qui m'interpelle un peu, c'est le houmous. Alors j'ai toujours vu des houmous assez huilés. Dites-moi s'il manque quelque chose, si je dois rajouter de l'huile ou pas. Je le trouve un peu sec en fait. Donc voilà, c'est vrai qu'il nous demandait une matière, je sais plus ce que c'est, je vous mettrai là. Peut-être que c'est ça qui manque. J'ai fait ma mayonnaise maison, par contre celle-là c'est trop bien, c'est la première fois que je fais une mayonnaise maison. Donc les œufs, ça c'est assez simple. Les galettes de poisson m'ont l'air très appétissantes. Le poulet mariné au gingembre, ça doit être pas mal. Mais à voir avec les enfants. Voilà, donc sinon c'est tout. Après tout le reste, bien sûr, c'est dans les boîtes, c'est à conserver. Mais après, il faudra le jour de pour chaque menu, par exemple, œuf, mayo, taboulé, il faudra sortir le taboulé, s'occuper des œufs, sortir la mayonnaise, les mettre au-dessus de l'œuf. Pour le gazpacho, wrap poulet, il faudra sortir le gazpacho, faudra sortir le poulet, le cuira pas. Non, il est déjà cuit, mais si vous voulez le poêler un peu, vous pouvez. Et ensuite, faudra sortir les wraps, les mettre à l'intérieur, rajouter de la salade si vous en avez envie, rajouter d'autres choses à l'intérieur si vous en avez envie. Et je crois que c'est accompagné de boulgour, si je ne me trompe pas. En tout cas, on a pas mal de boulgour pour toute la semaine. Donc, il y aura pour demain, il y aura pour les galettes, accompagné avec les galettes de poisson. Et il y aura, je crois, avec les courgettes farcies et la salade de boulgour aussi qu'on pourra faire ensuite par la suite. Pareil, on sortira le boulgour, on va rajouter les carottes râpées, on va tout modeler ensemble, etc. C'est vraiment pas mal, franchement. En tout cas, j'aime bien, mais moi, j'aime bien à ma façon. Donc, prochainement, je vous ferai un batch cooking meal prep de ma façon. Dites-moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo, comme ça je sais si ce type de vidéo vous intéresse et que je puisse continuer à vous partager des batch cooking. Donc vraiment là, c'était pour tester ce livre. J'ai vu, j'ai testé, j'ai moyennement aimé, on va dire, parce que c'est pas les menus habituels. Mais bientôt, je vous ferai un batch cooking de ma façon, donc batch cooking Thermomix ou pas, vous pourrez le faire à votre façon. Donc pour pareil, hein, ça, vous pouvez toujours le faire chez vous. Donc au lieu de mixer par exemple le gazpacho dans le Thermomix, vous mixez dans un robot mixeur. Pareil, les galettes, vous les faites dans un robot mixeur. Pour le poisson, le poulet, vous pouvez les cuire en vapeur ou sinon tout simplement à la poêle.
Tout ça, voilà, c'est juste des techniques pour vous faciliter la vie, mais que vous pouvez faire bien sûr sans robot. Et bien sûr, ce livre peut très bien aller avec le Monsieur Cuisine Connect. Donc, je vais vous noter toutes les étapes. Donc, ça va être très long. Donc, c'est pas possible que je crains que je pourrais tout noter tout de suite sous cette vidéo, mais vérifiez toujours sous cette vidéo quand je mettrai les étapes et tout, parce que c'est très long, donc je vais faire ça sur le PC avec le livre. Comme ça, vous ayez vraiment toutes les étapes. En fait, j'aurais bien aimé les faire, ça aurait été plus simple pour moi de les prendre en photo, peut-être les envoyer ou les mettre dans mon Instagram, sur une story permanente. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aurez juste à screener ou ma story YouTube. Donc je vais essayer de voir tout ça. En tout cas, n'hésitez pas, si jamais, de me suivre sur Instagram, j'y suis assez souvent. N'hésitez pas à checker mes stories, comme ça au pire des cas, je vous check les photos, c'est plus simple, vous faites le screen, donc un prime écran pour ceux qui savent pas ce que c'est, et vous aurez ça dans votre téléphone et vous pourrez suivre les étapes. Donc je pourrais faire que pour ce menu de cette semaine, parce que voilà, c'est un livre, droit d'auteur, tout ça, on ne peut pas trop tout partager. Voilà, c'est tout. Donc bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme dit, les likes, ça me fera plaisir. Surtout que j'ai tout donné, j'ai mis du temps, j'ai passé toute ma demi-journée à faire ça. Mais c'est vraiment pour vous faire tester et vous montrer que c'est possible de faire le batch cooking avec le Thermomix et que ça peut être pas mal. Après, comme dit, c'est pas le menu qu'on a l'habitude de faire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!